Avant de se lancer dans le vif du sujet, l'équipe bêta était sympa, ils nous ont ramené quelques goodies pour vous qui seront à gagner. Je vous laisse regarder en description les conditions. On commence avec ce petit polo. Hop, le polo bêta pour ressembler à Brad Freeman, comme dirait Yannick Marpinard. On a la casquette bêta, pareil, pour avoir l'air d'un pilote usine. On a le bonnet qui va avec. Dans ces périodes un petit peu fraîches, c'est pas mal. Et puis ça, c'est ce qui m'a un peu surpris. Je vais pas vous mentir. Je m'attendais à ce qui me ramène un pull vraiment... Euh, un petit peu comme le Polo. Mais on a celui-ci qui fait un peu plus streetwear, qu'on peut carrément mettre en ville et ça passe, ça passe bien. Donc ça, ce sera à gagner. Regardez la description. Bonjour à tous. Nous voilà en présence de la Beta 350 RR Racing. Aujourd'hui, on est ici pour la tester. On va commencer à parler un petit peu de cette moto. C'est la moto qui est championne du monde, Enduro GP, avec Steve Holcomb l'an dernier. Donc je pense qu'on part sur une base assez intéressante à tester. On a ici devant nous le modèle Racing. On va parler des spécificités. Ça passe surtout sur de l'équipement. On a ici des protège-mains, on a la fourche Kayaba cartouche fermée, on a aussi l'amortisseur Kayaba, on a des détails comme le tirage de fourche rapide à l'avant qui est anodisé, des petits couvercles, des petits voilà, des petits vis anodisés ici, on a les calpiers qui sont spéciaux, on a aussi une couronne bimatière ici, euh, un guide chain qui est comme sur la version RR mais lui de couleur rouge. Voilà, on a aussi cette déco qui est magnifique. Euh, on a cette selle voilà, qui est d'une couleur aussi bicolore, biton. Voici donc les spécificités de cette version racing. On va retrouver sur les modèles 4 de la gamme Beta euh, des choses qui vont être récurrentes, notamment ces jantes Excel, voilà, des freins qui viennent de chez Nissin, des disques de chez Galfer, un châssis qui va être commun en acier, des têtes fourches qui sont eux taillés dans la masse de couleur noire. Ça c'est vraiment très très intéressant et très joli. Au niveau du moteur, on est ici sur un moteur 350 cm3. Donc, un compromis entre le 250 et le 450. Est-ce que c'est un gros 250? Est-ce que c'est un petit 450? On va voir ça ensemble aujourd'hui. La particularité, c'est que ce moteur, c'est un moteur qui est doublement injecté. Donc, on a un injecteur classique et on a aussi un injecteur qui va être placé dans la boîte à air à ce niveau-là. Donc, ça, ça va être hyper intéressant de pouvoir tester. Est-ce que ça diffère vraiment d'une moto qui est sur un simple injecteur? Une autre particularité aussi, c'est cet embrayage. Il est d'une part hydraulique, mais il est réglage en interne sur trois différentes positions. Une position par exemple un peu plus dure, une position intermédiaire, une position souple qui va changer le feeling. Donc ça, ça va être intéressant à peut-être vouloir un embrayage un peu plus dur, mais qui va être un petit peu plus euh, violent, qui va lâcher un petit peu plus fort quand on va faire de la spéciale ou même pourquoi pas un peu de cross, et pourquoi pas un embrayage beaucoup plus souple quand on va être sur euh, une, une, une pratique un peu plus dans l'extrême. Donc ça, c'est très très intéressant. C'est pour moi une des spécificités de cette moto qui la rend si intéressante. Si on devait parler des détails qui vont faire la différence quand on pratique la moto régulièrement, ça commence par le couvercle de boîte à air. Celui-ci, il est démontable sans outils. Ça, c'est un vrai point fort. On a aussi sur cette selle un petit bouton qu'on va venir presser, qui va nous permettre de venir enlever la selle. Donc ça, c'est hyper pratique quand on a un peu de mécanique à faire. Nous, les enduristes, on met aussi quelquefois quelques petits outils, euh, des pièces de rechange des fois sous la selle quand on peut. Donc ça, ça va être hyper intéressant. Le dernier détail important, ça va se passer juste ici au niveau du réservoir. Et c'est un détail qu'on retrouve sur toute la gamme qu'attend que ce soit RR ou RR Racing. Ça va être la double courbe et le traction control. Ça, je trouve que c'est quelque chose d'hyper intéressant à voir, surtout de nos jours où l'électronique est très présent sur nos motos, que ce soit en cross, en enduro ou même sur les modèles de route. Et c'est aussi quelque chose que les concurrents, même à des prix bien plus élevés, ne proposent pas forcément. Cette moto est disponible à 10 750 euros en concession. Maintenant, il est grand temps pour Maxence et moi d'aller l'essayer et de vous dire ce qu'on en pense. Ça va être incroyable Voilà, l'heure tant attendue, l'heure du débriefing. On va parler un peu de cette moto. On va d'abord commencer un peu par le châssis. Euh, bah toi, en fait, qu'est-ce que tu en as pensé Première fois que tu es monté dessus, tu t'es senti comment Écoute, moi, je me suis senti vraiment pas mal. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui roule en 4 euh, temps. Et franchement, là, sur le, le châssis, euh, je me suis senti euh, pas dépaysé. Au niveau de la position, pareil. Euh, la moto est quand même maniable. Je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus. Un peu plus bateau pour un, pour un 4 temps qui est quand même euh, d'assez grosse cylindrée, enfin un petit peu mid-size, mais euh, franchement, la moto s'inscrit bien dans les virages. Euh, non, super content. Super ouais, content. Je t'avoue que moi, j'ai eu aussi ce, ce feeling-là. Je me suis senti direct euh, bien à l'aise, tout tombait plutôt bien sous, sous la main. On a re réglé le, le sélecteur qui était un peu bas, mais ça, c'est un réglage. Ouais. Euh, mais ouais, je me suis senti, la moto, je l'ai senti stable. Mm. Je sentis qu'elle tractait quand même pas mal, malgré les conditions, parce que c'était ouais. quand même très, très, ouais. très, très, très boueux. Et euh, ouais, elle s'inscrivait plutôt bien en virage. Euh, moi, ce qui m'a fait un petit peu bizarre, c'est peut-être cette position de la selle un peu plus plate où j'avais mmh. moins de repères. Mmh. Au début, j'avais l'impression que je me mettais moins en avant que ce que je devais mettre. Donc, j'ai eu un petit problème de repères au début. Mais euh, une fois qu'on roule un peu, ça s'est très bien passé. Euh, les fourches et la fourche et suspension, je sais pas ce que tu en as pensé. Franchement, top. Les suspensions, j'ai vraiment bien aimé. Ça travaille bien. Euh, avec notre niveau d'amateur, je pensais avoir beaucoup plus de mal et retrouver une moto vraiment super dure. Mmh. Et difficile à emmener, moi, pour mon niveau. Et franchement, j'ai été vraiment agréablement surpris. Euh, le, le, les suspensions travaillaient, euh, travaillaient correctement, même avec un niveau amateur comme le nôtre. Donc, c'est pas, euh, pas des suspensions qui sont, euh, qui sont hyper élitistes. Et ça, ça franchement, j'ai apprécié. Ouais. C'est vrai que j'ai un peu le même constat. On m'avait prévenu que les caillavals les sont toujours un petit peu plus durs en général mmh. que d'autres suspensions. Et euh, ben, là, aujourd'hui, en fait, c'était super agréable. Euh, je me suis senti bien à l'aise. Euh, peut-être qu'avec une un petit peu plus souple de l'arrière, peut-être qu'on aurait peut-être gagné un petit peu en grippe Un petit peu en grip. Mais en tout cas, j'ai pas, pas eu de mauvaises sensations sur cette moto. Ça, c'est important quand on monte dessus. Ouais. Moi, à mon niveau, en tout cas, je sais pas toi, mais faut que je me sente bien sur la moto, en confiance. Ouais, et déjà, c'est une bonne partie du plaisir et du ressenti aussi. Euh, après, le moteur, euh, Je sais pas ce que tu en as pensé de ton côté. Si tu veux, tu, tu peux m'en parler le après, je te dirai ce que j'en pense. Le moteur, j'ai trouvé moi super souple. J'ai pas retrouvé euh, l'effet où ça t'arrache les bras jusque au fond avec mmh. euh, comme avec un quatre et demi. J'ai trouvé super coupleux et en haut ça marche suffisamment, mais pas de trop forcément pour ouais. pour mon niveau à moi. Et même en bas, quand on se trompe un petit peu de rapport ou quoi, la moto elle cogne pas. Franchement, elle, elle ressort des virages et franchement le moteur aussi, ça, ça a été ça a été une belle surprise. Ouais, ouais c'est exactement pareil. J'allais te dire un truc qui m'a marqué, c'est vraiment que en bas en fait. Elle reprend bien et elle cogne pas. On n'a mmh. pas ce clac 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 clac. Carrément. Et euh, je pense aussi bien toi que moi. Si je me, je pense ne pas me tromper, on n'a pas calé. Non. Tu vois. Euh, alors on n'a pas fait de l'extrême quoi que ce soit. Non non. Mais euh, des fois quand on change de moto, on passe du deux temps au quatre temps. Toi tu es habitué, tu roules avec je un. Habitué deux temps. Ouais. Avec un 2 et demi de temps, mmh. ça pourrait arriver et c'est pas du tout le cas. Pour ma part, euh, j'ai trouvé que ouais, elle reprenait grave bien. Et par contre, euh, je m'attendais un peu plus à une moto qu'on pilote dans les tours. Et en fait, pas du tout. C'est une ouais. moto qui va être, je trouve, moi, en tout cas dans mon ressenti aujourd'hui, où euh, en fait, passer les vitesses, ça la rend hyper agréable. Mmh. Et on continue comme ça à passer les vitesses. Et on prend de la vitesse, en fait, sans être forcément en train de la cravacher tout le temps. Et euh, ça, après, c'est une préférence personnelle, mais je trouve que c'est quand même agréable. Tu vois. On a moins besoin de la cravacher qu'un 2.5, ouais, ça, c'est clair. C'est clair qu'un 2.5, quatre temps. Euh, toi, tu as eu l'occasion de tester le traction control. Ouais. Moi, juste tout à l'heure, quand on faisait quelques plans j'ai testé les deux maps, ouais. j'ai trouvé une différence entre les deux maps Du coup, c'est intéressant d'avoir ces deux maps là parce mmh. que sur des certaines motos par exemple, moi j'avais essayé la Triumph en cross, mmh. les deux maps, j'avais pas trouvé vraiment de différence. Mmh. Qu'est-ce que tu en as pensé de tout ça Moi, j'ai ouais. roulé sur la même map, mais par contre, j'ai essayé avec et sans traction control. Ouais. Et franchement là, aujourd'hui, les conditions ont été un peu grasses et quand on était vraiment avec euh, dans des ornières avec beaucoup d'eau assez profonde et tout ça, j'ai trouvé en fait que le traction control euh, contrôle pardon ouais. <laughs> vachement euh, la, la prise de régime du moteur euh, on avait l'impression que tu vois que si je remettais à fond sans traction la moto Elle allait prendre des tours mmh. et, euh, et, la, et la roue arrière allait patiner très très vite et là j'ai trouvé que justement ça arrivait à réguler un petit peu ça et la moto ça folait pas et on arrivait à s'extraire pas mal de l'ornière très profonde et très grasse et, euh, et ça j'ai apprécié j'ai senti la différence entre le avec et sans traction ouais donc ça c'est un bon point aussi parce que des fois, ce genre de, de, entre guillemets, certains les appellent ça des gadgets. Ouais. Mais ça, ça peut être un vrai outil en fait, dans certaines conditions comme ça. C'est difficile, euh, d'une part pour l'efficacité, mais mmh. aussi pour le plaisir. Parce que derrière, si euh, toi tu viens rouler un week-end et que tout le week-end tu galères, en mmh. fait, ben bah, c'est bien de mettre ce traction ouais. et de prendre un peu de plaisir ouais. sur le week-end. Euh, moi, franchement, si j'avais quelque chose à changer sur cette moto, j'aurais pas grand-chose à changer. Euh, j'aurais peut-être euh, un peu plus euh, de fun. Parce que mmh. c'est une moto qui est hyper facile, donc on ouais. se fait plaisir. Carrément. Elle mais met en tu sécurité. vois, en, ouais, elle te met en sécurité. Mais venant d'un 2,5-4 temps for forcément, ça, on cravache un peu moins. Donc ça, ce côté-là est un petit peu moins euh, jouissif. Un, un petit peu aussi sur la, la, la 200 RR qu'on qu a testée. Vous verrez aussi le, le test qui s'affiche juste ici. Euh, la 200, c'est vraiment une moto un peu plus fun qu'on va cravacher. Ouais, et on a vraiment. cette partie-là d'explosivité qu'on n'a pas forcément sur celle-là. Mmh. Je ne sais pas si toi, tu as noté ouais. un point particulier en dehors de ça. Non, moi je te rejoins, je te rejoins là-dessus. Ouais, je suis d'accord. La, la moto, en fait, elle est efficace. Elle est, c'est pas la plus fun, mais franchement, elle est super efficace et euh, on la prend de suite en main. On a tout de suite des, des sensations de d'efficacité, de sécurité. C'est ce que j'ai apprécié. Euh, Passer dessus, ouais, peut-être un petit peu plus de fun, mais non, super, super content. Ouais. Bon, j'espère que vous avez apprécié ce test. Je vous invite à poser toutes vos questions en commentaire ou à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux, c'est aussi pour ça, voilà, sur des questions, sur des détails, ce genre de choses. On a eu la chance d'avoir l'équipe euh, Beta, Félix, euh, Yannick, qui étaient là aujourd'hui. Et ils ont répondu à toutes nos questions. On est arrivé avec plein de questions. Et le but, voilà, c'est vraiment qu'il y ait un échange autour de, de ces deux motos. Euh, maintenant, euh, ce sera à votre tour de l'essayer si jamais vous avez un copain qui en a une ou sur des journées d'essai. Euh, vraiment se faire son avis sur cette moto, c'est une moto qui, qui est... Un petit peu entre deux. On a l'habitude du 2,5, du 4,5. Mmh. Et je pense que c'est vraiment une cylindrée à essayer. Ouais. Euh, aussi bien sur une journée euh, que euh, ben, vraiment d'avoir une moto comme ça chez soi. Et de se faire son, son propre avis en fait. Carrément. Voilà. Carrément. Merci beaucoup. Allez, merci. Ciao. Mmh.